cascado, Banfiano, consulado, sa frente assassina, Venezuela que ruina, resistanza di petto e l'oppressore, resistanza per la vita e per l'onore, resistanza per l'ouvrante e per l'odore. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment jouer Résistance du groupe L'Arcouge. Alors tout d'abord, munissez-vous d'un capot d'as que vous placez en troisième case. Donc on va commencer par l'intro. Alors l'intro, il y a trois accords. Le premier c'est un Do. Donc première case, corde de Si, deuxième case, corde de Ré, troisième case, corde de La. Donc, quand vous jouez avec un capot d'astre, le capot d'astre remplace votre Sillé. Donc, la première case se situe donc juste après le capot. Voilà. Donc, Do. Ensuite, il y a un Ré. Ré majeur. Deuxième case, donc, corde de Mi. Et de Si, de Sol, corde de Mi et de Sol, troisième case, corde de Si. Et vous grattez à partir de la quatrième corde, la corde de Ré. Et le dernier accord, Mi mineur. Donc c'est deuxième case, corde de La et corde de Ré. Et vous grattez. Donc l'intro, comme vous l'aurez compris, c'est un arpège. Donc pouce, ça sera P, I, index, M, majeur, A, annulaire. Ok? Donc, on va poser le P, pouce, sur la base de l'accord. Donc, pour le Do, c'est l'accord de La. Donc, vous mettez en Do. Alors, vous faites pouce, vous placez index, majeur, annulaire, sur les cordes Ré, Sol et Si. Donc vous faites pouce, index, majeur, annulaire. Quand vous faites l'annulaire, donc la corde de Si, vous venez avec le petit doigt en troisième case de la corde de Si, donc. Voilà, en troisième case. Donc ça donne pouce, index, majeur, annulaire en troisième case, avec le petit doigt. Après vous remontez, majeur, index et annulaire, corde à vide, la corde de Si à vide. Ok? Ça c'est le motif. Donc basse, corde de La. Ré, corde de Ré, Sol, Si avec le petit doigt, troisième case. Ensuite, vous remontez corde de Sol, corde de Ré, et vous revenez sur la corde de Si à vide, avec l'annulaire. Voilà. Ensuite, vous passez sur la corde de Ré, vous faites exactement le même motif, mais vous partez de la quatrième case, la quatrième corde, donc sur la corde Ré, vous placez votre pouce et index majeur annulaire sur la corde Sol, Si et Mi. Donc vous faites pareil, vous faites pouce, index majeur sur la corde de Mi, vous mettez le petit doigt à la troisième case et vous remontez. Donc Sol, Si, Sol et petit Mi à vide après. Donc, base de l'accord, corde de Ré, Sol, Si, petit Mi avec le petit doigt à troisième case, Sol, Si, Sol et encore petit Mi à vide.
Et le troisième accord, donc sur le mi mineur, vous faites la base de l'accord, donc ici c'est le gros mi, vous sautez une corde, donc vous placez index majeur et l'annulaire sur l'accord de ré, sol et si, sur l'accord de ré, sol et si cette fois-ci. Et vous faites base de l'accord, ré, sol, si, petit doigt, troisième case, vous remontez, sol, ré, si, et vous refaites la base de l'accord une seconde fois, vous refaites le même motif, donc ré, sol, cette fois-ci, le si, vous ne jouez pas le petit doigt, vous le jouez à vide, vous venez, première case, corde de si, deuxième case, corde de sol, et le sol à vide. Donc ça donne ça. Voilà. Donc sur le dernier accord, sur le mi, vous faites une fois normal, avec le petit doigt sur la corde de si, et vous refaites une seconde fois la corde de si à vide, et après première case corde de si, deuxième case corde de sol et sol à vide. Voilà pour l'intro. Ensuite, ça commence comme ça. Donc vous avez pour la chanson, donc vous avez un do, un ré, un sol, un 6/7. Et donc le mi mineur. Donc le sol, c'est deuxième case corde de la, troisième case petit mi gros mi. Le do, c'est bon. Le 6/7, c'est première case corde de ré, deuxième case corde de la, corde de sol et petit mi. Et vous grattez à partir de la. Accord de là. Voilà pour les accords. Donc ça démarre comme ça, donc. Donc vous faites un do, la rythmique. Bon, la rythmique, ça sera donc une rythmique qui revient souvent. C'est-à-dire, vous descendez tous les doigts, vous venez taper avec le haut du pouce et vous remontez. Donc, vous faites do, ré, mi. Deux fois. Do, ré, mi mineur. Voilà, vous faites ça trois fois. Et sur la troisième fois, vous restez sur le mi mineur. Et là, vous partez, c'est là que part le chant, donc. Ré, ré, pas, mi mineur. Ré, 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 mi mineur. Ok ? Mi mineur. Marine, marine. Ensuite, il y a le sol. Cascade, confio, bon, do, sol, do, 6/7. Ensuite, il y a un sol, ça, si, ré, do, 6/7, mi mineur. Ensuite, vous faites résistance, do, ré, mi. Ça, c'est quand il dit résistance. Do, ré, mi. Résistance. Résistance. Voilà.
à la fin de la chanson, quand il arrive à la fin, tout à la fin, il fait Resistanza, pelle ouvrante et pelle au nord. Alors là, vous faites comme ça, vous faites Resistance. Et ensuite. Donc, sur le mi mineur, vous restez sur le mi mineur et vous venez gratter une corde de si, sol et ré. Un peu aléatoirement avec l'index, le majeur et l'annulaire. Vous faites une sorte de roulé d'arpège. Faites vous remonter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Travaillez bien. J'espère que j'étais assez clair également. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.